Et salut à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour la suite de nos aventures dans Crash Bandicoot 4. Et je vous propose immédiatement de repartir en direction du prochain niveau qui risque de nous prendre un certain temps, j'imagine. Parce que voilà, vous avez vu, là on sent qu'on se rapproche quand même de la fin du jeu, gentiment. Parce que les niveaux quand même commencent quand même à devenir un poil plus complexes. D'autant plus que cette fois-ci, on va jouer avec Cortex. Donc du coup, bon, ça a l'air d'être une rame de métro géante en plus, vu l'image qu'on voit là, avec des plateformes qui s'effondrent de partout. Ça promet d'être rigolo. Surtout que on n'a pas de double saut. Allez. Ah, je peux pas revenir en arrière. Ah, par contre, je peux m'enfoncer la tête dans le mur. Ok. Original. Alors donc lui, il est atterri, on dirait, dans une espèce de... Bon, atterri là. On dirait une espèce de. Ouais, de. D'arrière de restaurant, genre où vous mettez les ordures. J'ai pas trop compris en fait d'ailleurs, à part ça, pourquoi est-ce que les persos ils ont été séparés. Mais. Pourquoi je peux pas tirer sur ce. Ça y est, ça commence déjà. Pourquoi je peux pas tirer là, franchement. Qu'est-ce qui se passe là. Ouais, bref, on s'en fout, c'est pas grave. Allez. Ce n'est pas important, voilà. Voilà, donc qu'est-ce que ces ennemis-là? Oui, voilà, on peut les transformer en trucs qui rebondissent. Allez, boum. On est vraiment à l'extérieur des bâtiments, là. Voilà. Oh, la fourberie, là. C'est bon, ça passe. Faut bien timer vos sauts et vos tirs, mais... C'est quand même assez joli, hein, mine de rien. Enfin, joli. C'est sympa, quoi, comme panorama. Moi, j'aime bien. Je veux dire, c'est pas joli dans le sens où c'est absolument magnifique, photoréaliste et tout ce que vous voulez, mais... Ok. J'étais pas censé faire ça, apparemment. Ouais, merde, mais je suis débile. Bah oui, j'étais censé faire ça. Bien joué. Bravo, Sherlock. Merde. J'étais en train de marteler le bouton pour me demander pourquoi est-ce que je fais pas de double saut. Bah oui, évidemment, je fais pas de double saut. Hein. Parce que si vous... Voilà, parce que je viens de tourner la dernière vidéo. Je fais celle-ci directement à la suite. Du coup, j'ai encore le... Mais bordel. J'ai encore le gameplay des autres persos dans les mains. Mais c'est pas possible. Mais elle est incroyable, cette caisse, en fait. C'est ça, le final boss, en fait. C'est cette caisse. Pourquoi est-ce que je peux pas tirer dessus, là, bordel? Enfin là oui, parce que je suis tombé dans le trou comme un débile. En fait, le problème c'est que j'essaie de m'approcher autant que possible de cette caisse et j'ai l'impression qu'on peut pas, quoi. Faut pas tirer dessus, regardez-moi ça. Hallucinant, quoi. C'est pas grave, non mais là c'est mon cerveau, hein. Il faut que je me réhabitue au gameplay et voilà, en fait c'est tout simple, il suffit de faire ça comme ça, voilà. Une fois de plus, bravo, bien joué Sherlock. Qu'est-ce que je branle? Oh oui! Non! Mais j'étais sur la plateforme là! J'avais cru que j'allais pouvoir arnaquer le truc et puis tomber sur l'ennemi, mais finalement pas. D'accord, donc en fait c'est comme ça qu'il faut faire. On saute, on dash. On tire sur la caisse, on saute, on dash. En fait c'est super simple. Sauf quand vous faites apparaître une plateforme là où vous voulez aller, et du coup vous vous effondrez dans le trou comme un débile. Mais en fait, ouais, voilà, c'est très simple. Faut juste piger le truc. Enfin, piger le truc et puis pas merder après, mais... C'est une autre paire de manches, mais bon. Mais... C'est pas possible. C'est pas grave, on est à combien de vies là, 95, hein? Ah non, 4... Ah non, 84. Pourquoi j'ai eu 95? Alors non, 84. C'est-à-dire qu'on a vraiment perdu plein de vies, là. Et d'expérience, au vu du dernier niveau qu'on a fait avec ce perso... J'ai l'impression que c'est pas gagné, hein. Là, j'allais dire la plateforme elle réapparaît plus, si c'est bon quand même. Non, j'ai raté le checkpoint. Je voulais arnaquer le truc et puis activer le checkpoint avant de crever, mais ça a foiré. Ce qui est quand même fort dommage. Mais... Ça fait un petit moment que l'angle de caméra chelou m'a plus posé de problème. Parce que, en fait, les développeurs devaient savoir. Parce que
Là, ces derniers temps, c'est surtout il y a beaucoup de passages en 2D en fait. La 3D vue de dos, on en a quand même un peu moins. Là, c'est sur les derniers mondes. Parce que le problème c'est que quand ils nous en mettent, c'est quand il faut viser de manière précise avec ce perso quoi. Voilà, c'est tout simple en fait, il n'y avait rien de difficile. Mais bon. Vous me connaissez, si je meurs pas 65 fois avant d'atteindre le checkpoint, ça compte pas, voilà. Ah mais vas-y, mais... C'est là qu'on voit que je suis trop dépendant au double saut en fait, c'est que je fais constamment des doubles sauts. Et vu que ce perso a... Bah déjà, ça sera un gros problème pour les contre-la-montre, hein. En fait, c'est complètement impossible ou quoi? Ce sera un gros problème pour les contre-la-montre parce que les doubles sauts ça vous ralentit énormément. Hein. Faut que j'anticipe plus, faut que j'arrive pile poil là. Et oui, bah non, ça va pas passer. Ou alors faut faire un dash alors. D'accord. Hop. C'est ça le problème en fait, c'est que je suis vraiment trop dépendant des doubles sauts. Du coup, avec ce perso, vu qu'il n'y en a pas. Et bah du coup ça c'est la merde. Et quand il y en a, bah du coup c'est la merde aussi parce que pour les côtes la montre ça va jamais le faire quoi. Ah bah grâce à ça j'ai vu la jeep cachée. Bah heureusement que je suis mort du coup, par contre j'ai absolument aucune idée de comment est-ce que je suis censé la chercher cette jeep cachée là. Elle est juste. Bah là je pense qu'il faut faire apparaître ce truc là, mais comment faire? Génial, ça sent l'interrupteur qui est tout au bout et puis qu'il faut... Ah mais oui, je le vois l'interrupteur, il est au fond du tunnel. Donc, il va falloir trouver un moyen d'activer l'interrupteur et puis ensuite de revenir, c'est ça? Ah mais c'est super simple à activer en fait l'interrupteur, il y a un bloc avec une flèche, mais merde. On va au moins essayer de choper la gemme cachée, tiens, histoire de faire quelque chose dans ce niveau. Là il y en a deux là, 1, 2, voilà. Celui-là il y en a 3. Ah non il y en a même 4, d'accord. Il n'y en avait qu'un seul. Ah, il faut tirer dessus en fait. Voilà. Oh, j'en ai eu chaud aux fesses là, mais on l'a eu, voilà. Et comme on l'a vu la dernière fois, c'est-à-dire que si maintenant je meurs, bah j'aurais plus besoin de me refaire ça, vu que bah, à partir du moment où vous la touchez, ça la débloque. Donc c'est parfait. J'ai eu chaud aux fesses là. Mais non, mais j'hallucine. Il saute même pas assez haut pour atteindre la caisse quoi. C'est incroyable. Du coup j'ai raté une caisse et une vie. C'est surtout ça le problème. Mais il vous feinte en plus ce trou de balle. Il y avait pas de pattern, on est d'accord, c'est complètement random là quand ils avaient... En fait j'ai l'impression que c'était... Vous voyez en haut, hein, il y a plus la gemme. Mais merde, j'ai oublié qu'il y en avait deux là. Oh là 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 là. 17 morts déjà. Ouais, on sent que c'est quand même les derniers niveaux parce que... Ce genre de fourberie là... Encore une fois, ce serait rien hein, s'il n'y avait pas besoin de devoir rush ça pour faire des côtes l'amont, on va pas y aller là. Bon, au moins, ça m'aura permis de prendre cette caisse. Là, par contre, je me rends compte que j'ai dû rater des caisses parce qu'il y en avait en hauteur qu'on pouvait. Ouais, bah merde, tant pis. J'ai raté une ou deux caisses là. Mais vas-y, bah heureusement, j'avais le masque. Alors pourquoi est-ce qu'il est arabe? Mais il est apparu. Il apparaît genre toutes les deux minutes, oui, toutes les deux minutes, mais pile poil quand moi j'y vais ça apparaît quoi. J'ai vraiment pas de bol. Et la caisse de nitro elle pète ou pas? Quand même. Alors comment ça marche le bousin là? D'accord, pas comme ça apparemment. Quand même. D'accord, donc je pense qu'il faut qu'il doit je pense qu'il va falloir rush là. Bah non, alors OK, d'accord, il faut pas rush. Quoi?
Mais comment ça marche les histoires là? Attendez. Là faut que je réfléchisse. Faut peut-être que je rush maintenant en fait. Voilà, maintenant là. Voilà, comme ça. Voilà, voilà. Ouais, du coup là maintenant ça va nous mettre en haut. Faut quand même réfléchir un peu sur ce genre de passage hein, parce que. Bah sans quoi vous mourrez bêtement en fait hein. Ce que je viens de dire que vous mourrez bêtement, ouais bah voilà. Mais vas-y. Donc là, attendez, non, il faut que j'attende que ça remonte. Maintenant. Voilà, maintenant là on rush à droite, voilà, nickel. Voilà. Bon. C'est easy. Maintenant monsieur poubelle là. Ouais d'accord, je pense que c'est à ça qu'il sert monsieur poubelle, c'est il faut que je le transforme en plateforme. Ouh, là, il est chaud aux fesses là. Voilà. Là pareil. Mais j'ai pas appuyé sur A exprès pour pas aller trop haut et finalement bah je crois que bah en fait ça n'a rien changé. C'est même pas je crois, je suis sûr que ça n'a rien changé. Hop, voilà, bon, moi là on maîtrise ce passage maintenant. Il y a que 122 caisses mine de rien, c'est là qu'on voit quand même que perso il est quand même moins fait pour débloquer des trucs et aller dans des endroits bizarres hein, c'est... Il est moins technique à jouer en fait. Voilà. Oh bien joué madame la poubelle là, je t'avais pas vu toi. Hop. Est-ce que je peux... Attendez, c'est... je peux passer par là-haut? Mais non, je peux carrément court-circuiter le truc. Mais d'accord, mais j'ai court-circuité là. Il y avait tout un passage en bas que je viens de court-circuiter. Bah parfait. Ah, et c'est là le passage qu'on voyait sur... sur l'espèce de miniature là. L'écran de chargement machin là. Finalement ça va encore. Ouais bah non, j'ai parlé trop vite. Non ça va, ça passe. Je me suis habitué au gameplay du coup bah forcément ça va tout de suite un peu mieux. Le jarret de Schnurgle était top. Qui l'a cuisiné? La cuisson était trop forte. C'est devenu tout caoutchouté. Et les marques de grillade. J'ai bien aimé les feuilles de Wumpa au vinaigre. Cortex, espèce de mufle. Pourquoi ne l'avais-tu pas vu avant? Fais-le souffrir. Oula, attendez, c'est à moi. Apparemment, c'était à moi. Merci, mais prévenez quoi. Oula, on fait des sauts de fou là. On fait des sauts de cabri, génial. D'accord. Alors, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais d'accord, pourquoi pas. J'ai l'impression que Cortex vient de se rappeler que bah en fait c'était censé être un méchant. Enfin je sais pas s'il veut faire. Enfin je sais pas ce qu'il a dans la tête hein, mais bah en même temps il voulait. Mais oui mais oh, bien joué un double. Maintenant j'ai oublié que j'avais un double saut avec ce perso quoi, c'est de mieux en mieux. Après j'ai envie de dire bon ça sentirait presque. Genre là, il a capturé le masque qui permet de manipuler le temps. Ça sentirait presque, genre, il veut retourner dans le temps pour détruire...
pour détruire Crash, quoi. En mode faire en sorte de détruire Crash avant qu'il existe ou un truc comme ça. Je le verrais bien tenter de faire un truc pareil. C'est peut-être tout gratuit ce que je vous raconte, hein, mais. Hop. 4 caisses. J'ai raté 4 caisses. Bah oui, bah je pense que c'est les 4 caisses que j'ai raté quand j'ai court-circuité le truc à la fin, quoi. Bah tant pis, bon, je suis mort 26 fois hein, sur 3. C'est un peu beaucoup, mais bon. Ah, on va peut-être avoir un combat contre lui, d'accord, ok. Il y a un autre moyen pour moi de briser ce cycle de combat incessant entre nous. Je peux retourner là où tout a commencé. Je peux annuler mon plus grand échec. Il parle de toi, Crash. Adios, Bandicoot. Ok. Quoi, on va revenir dans le temps, puis on va revenir dans Crash Bandicoot 1. Et maintenant, à moi de m'arrêter. Non, ça a pas l'air d'être Crash Bandicoot 1, qu'est-ce que c'est que cet endroit? D'accord, donc il y a bel et bien encore un... Non mais c'est un truc de fou, il y a encore un monde. Ça... Il y a encore un monde, donc. Il Cortex 1996. Bah, allons voir ça. Il va peut-être donner un coup de main à son lui du passé pour nous vaincre dans le tout premier Crash ou un machin dans le genre, je sais pas, on va voir. Ce qui n'est pas possible en fait, parce que... Encore toi ? Vous êtes super collant, lâchez-moi la grappe ! Qui est sur ma fréquence personnelle super secrète ? Quoi ? Qui est cet imposteur ? Tu ne reconnais pas ton propre visage ? Je viens du futur pour te prévenir. Si tu tentes de faire de Crash Bandicoot le général de ton armée, tu vas échouer ! La machine rejette ! Imposteur ! Démon ! Embryo ! Sonne l'alarme ! Oh, pourquoi est-ce que je refuse de m'écouter ? D'accord, d'accord. C'est bien ça en fait, il est bien allé retourner dans son dans le passé pour prévenir son lui du passé. Il y a un moi imposteur en liberté. Il est identique en apparence. Des yeux globuleux, des lèvres comme des bananes, la peau d'un râteau atteint de jaunisse. Bref, un canon de poésie. Donc c'est bien ça, donc il est bel et bien allé. Génial, dans son passé pour. Mais en même temps, voilà, vous le savez bien, comme à chaque fois qu'un jeu tente de faire du voyage dans le temps, et ben ça ne peut pas marcher. Parce que s'il était revenu dans le passé, qu'il avait effectivement convaincu son lui du passé j'ai pas compris ce qu'il voulait faire, mais de ne pas faire de Crash son général, même si je me souviens pas que c'est... Enfin, ouais, voilà. Mais s'il avait vraiment réussi, ben ça fait qu'on en serait pas là. Il n'aurait jamais eu des problèmes avec Crash, et du coup, bah, par conséquent, il n'aurait pas pu aller dans le futur récupérer le masque, et du coup, il n'aurait pas pu repartir en arrière pour convaincre son lui du passé. Donc voilà, c'est l'habituel. L'habituel retournage de tête et paradoxe temporel. Mais bon. Ah merde, ça s'effondre ça! Non! Vite! D'accord, par contre les masques ils nous ont suivis, ça c'est sympa. On pas le masque pour contrôler le temps du coup malheureusement, mais... Mais ça c'était fourbe ça! Je sais pas si vous l'avez vu, hein, ils nous ont mis une petite... Oula! Ouh, ça c'est bien gore ça! Ils auraient dû mettre du sang là, hein, parce que alors là j'imagine que... Génial, que là on s'est fait couper en morceaux, ou réduire en bouillie plutôt. Vous allez me dire que c'est censé être family friendly, donc voilà, raison pour laquelle Tona avait disparu, une fois de plus, hein, je vous le rappelle.
Mais ça c'était très fourbe parce que genre ils nous ont mis une petite pomme. Vous l'avez vu hein, moi je fais confiance aux pommes hein. Je me suis dit voilà, là ça descend, donc ça veut dire qu'on doit pouvoir aller en bas. Mais non en fait pas du tout, il faut pas aller en bas, il faut aller en haut. Vous me direz qu'il y avait des pommes en haut aussi, donc j'aurais pu le voir aussi mais... Je sais pas ce qu'il avait avec les... Oulala. Avec les pics et puis les six sauteuses, mais il aimait bien ça. Hein. Mais vas-y. C'est pas grave. Hop. J'ai vu qu'il y avait une vie là-haut, mais... Ouais, d'accord. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de la choper? J'ai eu beaucoup de balles de pas me faire toucher là parce que j'avais l'impression qu'il y avait les flammes qui étaient là hein, mais est-ce que je peux pas tout bêtement faire comme ça? Ouais voilà, en fait c'est beaucoup plus simple comme ça. C'était easy du coup, parfait, une vie de plus. On en a plus que 73 par ça hein, donc effectivement c'est peut-être le moment d'essayer de récupérer un peu des vies. Surtout d'arrêter d'en perdre bêtement. Bon, c'est vrai que dans l'absolu, arrêter de perdre bêtement ses vies, ce serait mieux. Mais bon. Je ne me fais pas confiance sur ce point, donc on va plutôt essayer d'éviter d'en... On va plutôt essayer de faire en sorte d'en gagner autant que possible. Parce que bon, je connais mon skill. Encore un niveau sympa à part ça. Hein, ouais. Avec le coup du... Après j'avais dit en général quand j'avais un peu peur au début le coup de tout retourner, que ça puisse être un peu relou. Enfin, c'est vrai que c'est pas facile, ça a tendance à vous perdre et tout, mais ça reste un élément de gameplay que j'aime bien en général, donc Donc du coup bah du coup ça passe bien. Vache. Beaucoup de bol là. D'ailleurs vous aurez remarqué, j'y pense parce que je les vois là, mais vous aurez remarqué là que ces caisses, que ces machins, que ces caisses rouges timées là, on en aura presque jamais vu dans le jeu au final. C'est juste genre le petit élément de gameplay qu'ils ont mis, ça devait faire partie du... ça devait être sur le cahier des charges j'imagine. Il fallait qu'il y ait des caisses timées mais finalement on en a presque jamais vu. Hein. Et c'est pas pour me déplaire parce que je déteste ce genre de conneries donc... Enfin vous le savez, à partir du moment où il y a un timer, moi ça... Timer et moi, ça fait deux en général. Ouh, mais incroyable, je commence à maîtriser le gameplay en plus. Vous allez me dire, depuis le temps que je joue, ça serait un peu malheureux, mais bon. Surtout que je vais en avoir besoin, hein, si je veux réussir à finir à faire le 100%. Ou le autant de pourcents que possible en tout cas. Il y en a pour combien des caisses? Ah bah voilà. Du coup je me demande si là on se rapproche de la fin du jeu ou pas en fait. Parce que peut-être que... Parce que là... on a encore... Bah du coup on va apparemment aller affronter Cortex. Après ça... Je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'on va affronter deux Cortex même en fait. Deux pour le prix d'un. Du coup je me demande ce qu'il est devenu l'autre grande asperge là. Parce qu'on l'a banni dans... Mais vas-y. On l'a banni dans une autre dimension. Ah merde, puis il n'y a pas de checkpoint depuis là, vous êtes sérieux? On l'a banni dans une autre dimension. Peut-être qu'il peut encore revenir. Vu que le jeu a pas l'air de vouloir se terminer. Après c'est moi où il y avait un espèce de buzzer en bas dans la, qui flottait. Mais dans tous les cas je me demande si... Ouais on se... Dans tous les cas on se rapproche peut-être de la fin. Et par conséquent des lives. J'ai vu qu'il y a des gens qui s'étaient posé la question, on en fera, vous inquiétez pas, on en fera des lives. Je sais pas combien, ni quand, ni... Enfin, quand, si, je pense à la suite, on va pas... Voilà.
on va pas espacer ça. Dis-moi, donc je pense qu'une fois qu'on aura fini, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va faire gentiment des lives. Avec éventuellement des vidéos sur un autre jeu pendant la semaine. Ou alors que des lives et puis des rediffs, je sais pas encore. J'ai pas encore décidé, je sais pas encore si on fera peut-être que des lives que je vous mettrai en rediff. Ou bien si je vous ferai un autre let's play à côté. Mais bordel de dieu, mais on verra bien, j'ai pas encore décidé. J'ai pas encore pensé à quel jeu on pourrait potentiellement faire en fait après ça. Merde. Ou alors ce serait peut-être l'occasion pour moi de vous sortir le marathon que j'avais enregistré il y a plus d'un an maintenant. J'ai enregistré un marathon qui n'est jamais sorti vu que j'ai toujours eu des... Mais merde. Vu que j'ai toujours eu des idées pour vous faire des let's play, ouais. Que j'ai plus... Parce que moi je m'étais dit... je vous l'enregistre mais je vous le fais pas sortir tout de suite. Je le garde au chaud pour si jamais... vous en souvenez, hein, si jamais je redisparais pendant 6 mois. Comme ça vous aurez quand même quelques vidéos. Il est pas très long, je sais plus combien d'épisodes il fait, genre 5 ou 6. Je vais rouler sur le jeu assez facilement finalement. Enfin, du coup, ouais, je suis en train de vous spoiler ça. Mais en fait, non, c'est pas vrai. J'ai pas roulé sur le jeu, mais le jeu était relativement court. Donc voilà. vous verrez bien le moment venu. Alors, je vous aurais spoilé un peu ça et sa durée, effectivement. Bon, c'était un peu con de ma part. Bon, en même temps, c'est pas forcément du grand spoil. Hein. Je vous aurais pas spoilé le jeu déjà. Ni ce que j'en pense, je vais pas vous dire ce que je pense du jeu. Vous verrez bien ça sur le moment, mais voilà, ça pourrait être l'occasion. Après le problème c'est que... C'est un jeu qui... Voilà, qui ressemble un peu à ça, enfin pas vraiment, mais enfin c'est la même idée. Enfin c'est un jeu de plateforme quoi. Enfin quoique, ouais c'est pas vraiment un jeu de plateforme en fait, mais... Bref, on verra. Selon ce que vous... vous n'hésitez pas à me le dire aussi, selon ce que vous préféreriez, hein, si vous voulez vraiment voir que du Crash. D'ailleurs, ou alors je pourrais aussi vous faire en live et des vidéos. Mais je préfère éviter. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire du pourcentage hors vidéo. Parce qu'il y a des trucs. Mais vas-y, mais c'est complètement pourri ça. Cette perspective moisie. Parce que je pense qu'il y a quand même des trucs qu'il faudra que je fasse hors vidéo. Sinon, je vais devenir fou. Hors vidéo et hors live, du coup. J'ai pas encore décidé si on partira pour le 100% ou pas. D'ailleurs, je pense que ça dépendra de la faisabilité de la chose. Pour l'instant, je continue à me dire que c'est assez impossible. Mais bon, on verra. Hein. Peut-être qu'en live, ça va se passer super bien. Et puis qu'en fait, on va rouler sur le jeu. Mais c'est peut-être juste l'effet découverte qui fait que je joue comme une grosse pille. Hein. C'est possible aussi. C'est aussi souvent le cas. Hein. C'est quand vous découvrez le jeu que vous jouez n'importe comment. Une fois que vous l'avez connu, que vous le connaissez et que vous l'avez un peu maîtrisé, ça se passe mieux. Vous remarquerez que cet épisode-là, il se passe déjà un peu mieux que les précédents. Je pleure moins bêtement déjà. À part là, parce que là, ce passage-là commence vraiment à me broyer les couilles, pour rester poli. Ça fait, je sais pas, surtout qu'il est super long et le problème, c'est que là, je comprends pas où je suis en fait. Je crois que je suis trop au fond. Mais j'essaye de... Ouais. Ouh, là on a eu beaucoup de bol. Ah mais attendez, j'ai halluciné, on a le masque en plus. C'est la première fois qu'on a l'invincibilité, incroyable. Enfin, la première fois depuis le premier monde, quoi. Il nous paraît bien loin le premier monde, d'ailleurs, hein. Ouais, il est bien loin le premier monde, hein. Ça a quand même bien évolué niveau difficulté et niveau ennemi. Mais d'ailleurs, je me rends compte qu'en fait, effectivement, pourquoi est-ce que je perds du temps à tuer ces trucs alors que je pourrais bêtement les passer, quoi. Bon, je me suis fait toucher comme un débile, mais... C'est vrai que pourquoi perdre du temps à tuer les ennemis si c'est pour prendre plus de risques et puis mourir plus que... J'ai eu beaucoup de bol, là, hein, parce que là, il est en train de s'électrifier. J'étais sûr que ça allait me toucher, mais bon... Vas-y. Ça
sais pas, s'ils s'engueulent avec celui du passé, ça veut dire que potentiellement ils vont pas essayer de se... Merde. De nous attaquer à deux. Après j'ai pas trop compris le coup du faire de Crash le général de son armée ou je sais pas quoi. Après j'imagine que ça sera peut-être un truc qui sera... Merde. Qui sera expliqué genre dans les cassettes flashback. Il avait l'air de parler de ça, si je me souviens bien, dans la première ou la deuxième qu'on a faite. Et vu que j'en ai plus refait depuis, pour une raison simple, c'est que je n'en ai plus débloqué depuis non plus. Hein. Mais pourquoi avant je les tuais, c'est maintenant ces trucs et puis maintenant je peux plus. Mais je fais rien de différent, hein. Je fais la toupie, je fonce dessus, puis bon là je meurs comme une buse. Y a rien de dur quoi, franchement, y a rien de difficile quoi. Y a vraiment rien de difficile. Mais et puis là y avait un checkpoint. Mais d'où il sort celui-là? Attendez, je suis pas fou, y a un checkpoint là. C'est encore une fois un checkpoint qui a pas spawn ou c'est moi qui ai pas compris. Ou alors c'est le checkpoint de la pitié comme les masques en fait. Bah alors, ou alors c'est peut-être ça hein. C'est peut-être ça la raison pour laquelle, là, il y a quelques épisodes de ça, on a le checkpoint, il s'est matérialisé de nulle part pour aucune raison. C'est peut-être que quand vous atteignez un certain seuil de mort, il y a certaines cases qui se transforment en checkpoint. C'est peut-être ça, en fait. Qui sait? Ce serait très chelou, quand même, que ce soit ça. Mais là, il y en a vraiment un qui est génial, qui est apparu de nulle part. Et puis on est mort plusieurs fois au même endroit. Donc c'est pas genre un bug qui est arrivé une fois, quoi. Ah bah tiens, il y a le masque qui est là. Je crois qu'il l'avait capturé. Allez, c'est pas grave, on va commencer par le niveau bonus déjà. Oh là là. Oh non. Yeah. Ah merde, c'était con ça. Eh bah ouais, c'était con. Mais ça va, il est facile ce niveau. Alors ce niveau bonus là, il est facile. Ça change. C'est pas une espèce de grosse punition cruelle. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir un jeu où les niveaux bonus, c'est l'enfer sur Terre en fait. À la base, le but d'un niveau bonus, c'est quand même d'être un bonus quoi. Pas d'être une punition. Ah, et puis apparemment j'avais un masque. Du coup, grâce à ça, j'ai pas mouru. Allez, c'est pas grave, on a perdu le masque, mais là, le principal est là. On a chopé toutes les caisses, même si j'en ai déjà raté, je crois, des caisses. Donc, de toute façon, ça change pas grand chose, mais bon. Qu'est-ce que je peux ralentir là? Ah, ça? Oh oui! Nickel! Oui, oh, j'ai failli me vautrer, mais ça a passé. Mais vas-y, comment j'ai réussi à mourir là? Ce n'est pas grave, voilà, c'est pas grave. C'est du détail. On est mort comme une buse, mais bon, c'est pas grave. Génial. Ah, cette profondeur de champ de l'enfer. Mais vas-y, mais vous avez vu? Là, le truc, l'espèce de petit point qui est en dessous, il a complètement sauté, je sais pas où. Il m'a fait croire que j'allais dessus, puis finalement, bah, il a disparu. Voilà, c'est nettement plus simple comme ça. Ouais, quand il s'affiche bien, le petit pointeur, bah, on sait où on va, quoi. Ah, elle était là la cassette. Bah évidemment. Il me semble probable de pouvoir arriver jusqu'ici sans mourir une fois. Je veux dire, non seulement ces cassettes flashback, c'est l'enfer sur Terre pour les finir. Génial. Oh merde. Mais en plus, c'est même limite plus compliqué encore de les débloquer quoi.
punaise, j'ai eu chaud aux fesses là. Là aussi, j'ai eu très chaud aux fesses. Je me suis pas fait toucher, mais d'extrême justesse. Hein. Je sais pas trop comment ça a passé, mais ça a passé, c'est le principal. Hein, mais. Allez hop, on y croit. C'était quoi ça? Ah oui, ouais, voilà, c'était les, il y avait les espèces d'ennemis là qui s'électrifiaient. Oui, oh incroyable, on va y arriver. Magique, et on a raté deux caisses, vous êtes pas sérieux. On a raté deux caisses sur tout le niveau, j'hallucine. Bon, on est mort largement trop de fois, hein, mais on a raté que deux caisses. Alors, qu'est-ce qui va nous attendre maintenant? Bah, les niveaux, ouais, voilà, il nous reste trois niveaux, ou deux niveaux et un boss peut-être. Bah les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On s'attaquera au tunnel toxique la prochaine fois. Bah ouais, apparemment deux niveaux et un boss. Donc à voir ce que ça va donner. Du coup, bah moi j'espère que cet épisode-là vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, bah probablement pour finir ce monde. Et puis découvrir le suivant s'il y en a encore. À ce rythme-là, je me dis qu'il y en a peut-être encore 10, on sait jamais. En tout cas, bah j'espère que moi que cet épisode-là vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Et comme d'hab, d'ici la prochaine, surtout, portez-vous bien. Salut à toutes et à tous.